Alors bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, qui est accompagné de Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, de la ministre de la Santé, Danielle Mécan, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et du directeur national de Santé publique, Dr Horacio Arruda. Donc, M. Legault, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord ce matin, je veux commencer par féliciter les Québécois. Franchement, je suis très fier de voir la réaction. On avait demandé la collaboration, la solidarité, le sens des responsabilités. Bon, on a tout vu ça au cours des dernières heures. Donc, je veux féliciter tous les Québécois. Je veux dire un mot aussi au personnel du réseau de la santé. Vous êtes nos anges gardiens. On compte sur vous. Vous faites un travail extraordinaire. Puis je veux vous dire qu'on est prêt à vous appuyer de toutes les manières possibles. Là, on est ouvert aux suggestions et évidemment, on compte sur vous et je veux vous dire merci. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan, on a 4 cas de personnes infectées au coronavirus qui sont ajoutés. Donc, on est rendu à 17 cas au Québec, dont 2 hospitalisés. Ce matin, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de 2 semaines. Concernant les services de garde, je veux quand même demander la collaboration du personnel parce qu'on va mettre en place des services de garde pour les parents qui travaillent dans le réseau de la santé et dans certains services que j'appellerais les services essentiels. Donc, il y aura effectivement des services de garde qui seront disponibles pour, évidemment, s'assurer que le personnel, entre autres de la santé, les policiers, les services essentiels, puissent continuer de faire leur travail. Je veux dire à tous les parents que je comprends que l'annonce d'aujourd'hui va avoir des impacts importants, ça va amener des perturbations, ça va amener des gros casse-têtes pour beaucoup de parents, mais c'est une mesure qu'on doit prendre parce qu'on a la responsabilité de le faire, puis on a un défi au cours, entre autres, des 2 prochaines semaines, s'assurer qu'il y ait le moins de progression possible des cas de personnes qui sont infectées. Donc, je fais appel à la solidarité des Québécois, mais aussi des employeurs. Et je veux dire aux employeurs aussi, on se concentre d'abord sur la santé, mais au cours des prochains jours, on a des mesures qu'on va annoncer pour aider financièrement les entreprises, les individus qui ne pourront pas se rendre au travail. Donc, je veux juste vous dire, là, on ne vous laissera pas tomber, mais je vous demande votre collaboration. Je veux revenir un peu sur ce que j'annonçais hier concernant les voyages à l'étranger. Bon, j'ai demandé effectivement aux Québécois, puis on sent une belle collaboration de ce côté-là, que les personnes qui ont voyagé à l'étranger d'une façon volontaire s'isolent pour une période de 14 jours. D'abord, je demande au gouvernement fédéral leur collaboration pour bien afficher, indiquer, même avoir des personnes dans les aéroports pour expliquer ces directives de la santé publique. Maintenant, concernant les visiteurs étrangers, je pense qu'on a actuellement un problème de cohérence. On demande à nos citoyens de prendre des mesures, de s'isoler pour 14 jours, mais on ne demande rien aux visiteurs étrangers. Donc, moi, je demande à Justin Trudeau, gouvernement fédéral, de limiter rapidement l'entrée des visiteurs au Canada. J'aurai l'occasion, on a déjà parlé, on va avoir l'occasion aujourd'hui de leur répéter cette demande, mais c'est important qu'on limite l'entrée des visiteurs étrangers au Canada. Maintenant, concernant toutes les questions, vous avez un numéro de téléphone ici devant vous. Là, je comprends
que la ligne 811 a été engorgée. Je vous demande de ne plus utiliser cette ligne, mais d'utiliser le numéro de téléphone qui est ici, 1-877-644-4545. Donc, pour toutes les questions, d'utiliser ce numéro de téléphone, mais aussi d'aller sur le site web du gouvernement du Québec, où il y a beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Maintenant, concernant les approvisionnements en nourriture et autres, là, je veux vous dire, on ne prévoit aucune pénurie de nourriture. Donc, c'est important là, que les gens ne s'inquiètent pas. Là, les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Les camionneurs, qui font un travail extraordinaire d'ailleurs, vont continuer de livrer la marchandise. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les camionneurs puis tout le personnel navigant, là, des avions, des bateaux, ne sont pas soumis aux règles de l'isolement de 14 jours. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir de ce côté-là. Donc, je termine en vous disant, très fier de la réaction des Québécois. Je veux dire aux Québécois que oui, je réalise très bien que je vous en demande beaucoup, mais on fait ça pour éviter que le pire arrive. Donc, on lâche pas, on serre les coudes et je suis convaincu qu'on va passer au travers. Merci. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions, on va commencer avec Jocelyne Richer de la Presse canadienne. M. Legault, M. Arruda, qu'on disait que tant qu'il n'y aurait pas de transmission directe, on évitait de fermer les écoles, par exemple. Alors, pourquoi avoir changé d'attitude par rapport à ça? Peut-être vous faire comprendre que là, actuellement, j'ai dit ça dans un contexte où c'est sûr qu'on allait fermer certains éléments d'école quand il y a de la transmission active. Mais là, actuellement, vous savez, on a eu la semaine de relâche. Et d'ailleurs, comme l'Ontario a fermé les écoles à cause de cette semaine de relâche, c'est que les cas qui sont revenus, là, qu'on a eu récemment, c'est des gens qui ont été voyagés particulièrement pendant la semaine de relâche dans certains pays. Puis c'est ça qu'on veut éviter, là, que ça s'introduise par la semaine de relâche, parce qu'il y a une augmentation des voyages des parents, etc. Ça va être évalué. Je pense que, comme le premier ministre l'a dit, là, on va annoncer des mesures. Le premier ministre a dit qu'on allait avoir des points de presse réguliers. Mais on évalue toujours là, cette situation-là. Et aussi, quand on annonce des choses, il y a des éléments opérationnels qui nous reviennent du terrain et qu'on prend en considération parce que ici on planifie les grandes orientations stratégiques, mais les détails peuvent à ce moment-là être faits. Et actuellement, faire ça, c'est sûr que ça entraîne, comme le dit le premier ministre, des conséquences. On est bien conscient de... Mais on le sait, je l'ai dit, on va être tous ensemble pour aplatir la fameuse courbe. Et c'est que souvent, on hésite d'aller vers ces éléments-là. Et là, en faisant tout ça, on diminue le risque, notamment que ça s'amplifie au cours des prochaines semaines. Et après ça, on va réévaluer. Selon le type de transmission, puis les milieux qui fermeront ou fermeront pas vont être pris en considération. Puis aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est d'habituer la population à des choses qui s'en viennent. Vous savez, là, on n'aurait pas pu, au mois de janvier ou début février, faire ce genre d'intervention-là. La population n'était pas au même rendez-vous par rapport au niveau du risque. Là, on a vu des expériences assez particulières ailleurs, en Italie, puis etc. On a vu dans des pays où il y a eu des interventions massives l'effet que ça a eu sur la transmission. Donc, sur ces leçons-là, je pense que le gouvernement prend une décision qui n'est pas facile à prendre parce qu'à chaque fois, quand on vient brimer les droits des individus, il faut avoir une raison pour le faire. Mais on pense que, somme toute, ça va être important. Puis c'est pas parce que les enfants sont à risque, hein, de maladies plus importantes. J'aimerais ça rassurer les parents là, qui ont peur pour leurs enfants, parce que dès que ça touche les enfants, c'est majeur. Mais les enfants qui feraient le coronavirus, presque tous, je pense qu'il n'y a pas eu de cas de mortalité chez un enfant, même à l'expérience de Chine. Le Dr Tremblay m'a l'a validé l'autre jour. Donc, mais c'est pas pour ça, c'est plus pour empêcher que, comme c'est petit, comme les enfants souvent, et puis il y a toutes sortes de moyens de prévenir, on le fait. Puis chaque fois, selon les phases, ça se peut qu'on réouvre quand il va y en avoir trop de transmission. Ça se peut parce qu'il y en a partout. Partout où on va l'avoir, on pourrait l'attraper. Puis ça se peut aussi qu'on maintienne la fermeture selon l'évolution de la maladie. Mais ça va s'analyser au jour le jour.
On entend qu'un pneumologue du CHUM l'aurait attrapé dernièrement. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un premier cas de transmission active au Québec? Quelqu'un qui l'a attrapé, bon, je ne parle pas de ce cas-là, mais en général, quelqu'un qui fait la maladie puis qui est allé en voyage, il l'a attrapé durant le voyage. Un cas de transmission au Québec, c'est que cette personne-là ait contaminé quelques personnes. Si elle a contaminé sa conjointe ou les personnes avec qui ils vivent, c'est une transmission locale, mais importée de l'extérieur. Quand on parle d'une transmission soutenue, là, c'est qu'on a des gens qui l'attrapent ici au Québec. Hein, c'est pas ça qui est arrivé, là, qui l'attrapent ici au Québec et qui vont le transmettre à d'autres personnes. C'est cette séquence-là qu'on veut brûler. Puis on pourra se retrouver avec 150, 160 cas qui viennent tous de l'extérieur et ce ne sera pas de la transmission soutenue. Là, c'est une personne qui l'a attrapé ici d'une personne qui revenait de voyage. Exactement. Mais est-ce qu'on a des... Là, vous voulez dire, premièrement, c'est normal. Là, c'est arrivé en Colombie-Britannique, là, quelqu'un qui avait été en voyage en France et dont une personne proche a développé la maladie. C'est une transmission locale, mais à petit nombre. C'est pas ça une transmission. Une transmission soutenue, là, c'est qu'on n'est même plus capable de savoir où la personne l'a attrapé, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui l'ont fait. Alors, toujours en se limitant à une question sous question, Pierre-Olivier Zappa, TVA. J'aurais besoin d'une précision concernant la fermeture des établissements. Lorsque vous parlez de services de garde, il s'agit de garderies privées, publiques, l'ensemble du réseau sur tout le territoire? Oui, effectivement, il s'agit de l'ensemble du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, que ce soit en installation ou en milieu familial. Pour ce qui est de ce qui se passe dans les hôpitaux, on reçoit plusieurs témoignages de gens qui présentent des symptômes à la maison, mais qui n'arrivent pas à rejoindre au téléphone des gens pour les guider. Donc, ces gens-là se présentent à l'hôpital. À l'urgence, on ne sait pas quoi faire avec les cas parce qu'ils n'ont pas contacté le 811, ils n'ont pas réussi à être aiguillés puis à être envoyés au bon endroit. Est-ce que, pour l'instant, vous sentez que le circuit qu'empruntent des passagers qui présentent des symptômes est majoritairement le bon? Moi, ce que je veux vous dire en premier, c'est que tous les hôpitaux, toutes les urgences savent quoi faire quand tu as un problème, là, une infection ou un potentiel au niveau d'une infection telle que le coronavirus. Donc, les mesures qui sont prévues devraient être prises. Maintenant, ce que je veux vous dire, comme disait le premier ministre, il faut maintenant appeler le 877-644-4545. On a rendu ce service beaucoup plus robuste et là, on va répondre à votre demande. Qui que ce soit, besoin d'informations, a des symptômes, devrait appeler dorénavant ce numéro et ça va faciliter les choses d'abord pour la personne et aussi pour le réseau. Alors, c'est le conseil que je donnerais et dans ce sens-là, ça va bien fonctionner. Merci. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Ben justement, Mme McCann, on m'indique là, qu'on vient de faire ce numéro-là et on tombe exactement dans les mêmes problèmes qu'on avait avec le 811. Ce qu'on m'indique, là, c'est que la ligne coupe dès qu'on appelle, dès qu'on fait l'option pour le coronavirus, que ça ne fonctionne pas et que la ligne coupe. Alors, c'est quoi le... Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir un service qui fonctionne au Québec, d'avoir des... On n'est quand même pas un pays du tiers-monde, là. On devrait avoir technologiquement des capacités d'avoir des numéros qui fonctionnent. Et là, on me dit que ça ne marche pas. Écoutez, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans les derniers jours. On est en train de faire un changement à ce numéro, d'ailleurs, pour répondre plus rapidement aux gens. Alors, moi, ce que je présume, on va faire des vérifications, mais ce que je présume, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire un changement technique là, dans cette ligne-là et peut-être qu'on a un problème à ce niveau-là. Mais ce que je veux rassurer la population, c'est qu'on va le régler, puis on va le régler très rapidement, aujourd'hui même. Mardi que vous dites ça, Mme McCann. Oui, je comprends. Mais ce que je veux dire aussi à la population, c'est qu'il nous manquait du personnel à l'infosanté. Mais là, je peux dire aux gens qu'on va avoir 88 infirmières de plus dès maintenant au service d'infosanté pour répondre. Alors, c'est un engagement que je prends. Il va être réglé, ce problème-là, aujourd'hui même. Je vais suivre ça personnellement. M. Arruda, quelle est l'étape suivante, selon vous, là, une fois qu'on ferme les écoles de tous les niveaux, que les centres de la petite enfance sont fermés, quelle est l'étape suivante qui est la plus importante à faire dans des cas comme celui-là? Vous avez dit tout à l'heure, on a regardé ce qui s'est fait ailleurs, on voit l'effet que ça a eu. Alors, l'étape qui va venir une fois là,
qu'on va progresser, si on veut, dans la pandémie, quelle sera-t-elle? Bien, ça va dépendre de quels milieux vont être touchés. Ça va dépendre aussi si c'est des cas qui sont éparpillés au Québec versus à un certain endroit. S'il y a des concentrations, par exemple, de cas dans une ville ou dans un secteur, il pourrait y avoir des contrôles pour éviter que ça aille se répandre par ailleurs. Dans certaines villes, vous voulez dire? Villes ou sous-secteurs, tout dépendamment, là, ça va dépendre comment ça se propage. Si il y a beaucoup de cas d'enfants dans les milieux scolaires, les écoles pourraient fermer parce qu'ils deviennent une source d'amplification pour les personnes âgées. Ça va être des contrôles beaucoup plus rigoureux du style, on arrête toute visite aux personnes âgées actuellement parce qu'on veut vraiment fermer. Là, on est en mesure de prévention, mais ce sont des mesures qui vont devenir de plus en plus de nature autoritaire comme telle pour s'assurer là, qu'on le fait. Puis à un moment donné, si vous me permettez, quand il y a tellement de transmissions un peu partout, ces mesures-là sont relâchées parce qu'on a comme perdu la bataille, puis là, on refait fonctionner la société comme telle. Puis, mais les gens aussi vont avoir appris toutes les questions de distanciation. C'est sûr que des méthodes comme le télétravail, tout ça, là, puis ça va se faire autant dans le secteur privé que public. On va interpeller les gens à aider les personnes à respecter les consignes. Fanny Lévesque, La Presse. Juste une mini-précision. Donc là, il n'y a pas de cas confirmés de transmission locale au Québec. Ça va. Maintenant, pour le calendrier scolaire, est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont envisagées? Comment on va s'organiser? Comment on va rattraper ce temps-là? Bien, ce qui est prévu en ce moment, c'est de la rouverture de nos écoles primaires, secondaires, collégiales, de nos universités pour le 30 mars. Donc, en ce moment, on pense qu'on va être capable de rouvrir. Évidemment, comme l'ensemble des décisions, on réévalue en fonction du contexte et des évaluations de la santé publique. Mais donc, on prévoit une fermeture à ce moment-ci de 2 semaines. Il n'est pas nécessaire de prévoir toutes sortes de mécanismes de rattrapage. C'est moins long que ce qu'on a déjà vécu, par exemple, avec la crise du verglas. Donc, on a confiance que nos jeunes et nos moins jeunes, dans nos écoles comme dans nos cégeps, dans nos universités, vont être capables de rattraper sans mesure particulière. Madame McCann, est-ce qu'il est déjà envisagé d'envoyer une directive à tous les établissements de santé pour déjà annuler, par exemple, ou restreindre toutes les interventions non urgentes, non essentielles? C'est déjà débuté. Alors, ça a déjà été envoyé, cette directive, de se réorganiser. En fait, je vous dirais qu'il y a des rencontres très, très régulières entre le sous-ministre et l'ensemble des établissements, les PDG. Donc, ça fait un bout de temps, là. Et déjà, c'est commencé. Dépendant, là, de l'établissement, mais ça va prendre de l'ampleur. Et évidemment, il y a des activités qui ne sont pas urgentes, qui sont ce qu'on appelle électives et pas urgentes, qui vont être délestées. C'est déjà commencé. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Monsieur Arruda. On assiste à ce débat là, depuis quelques jours sur l'opportunité de fermer ou non les frontières. Je comprends que c'est une décision qui ne relève pas de vous. M. Legault interpelle tout de même M. Trudeau à cet effet. D'un point de vue d'épidémiologie, quels seraient les bénéfices et les limites d'une telle décision, si vous pouvez nous expliquer? Bon, écoutez, c'est une décision qui n'est pas facile parce qu'elle doit prendre en considération plusieurs éléments. Là. Il faut balancer les bénéfices, etc. Puis ça peut dépendre où on est rendu dans l'épidémie. Actuellement, là, c'est sûr que le Québec, on se rend compte, puis voyez-vous, que les cas qu'on a eus ne viennent pas non plus des pays où il y a eu nécessairement le plus de transmission. C'est très différent du profil d'ailleurs. Donc, si on veut éviter l'introduction au Québec, toutes les mesures qu'on va prendre, et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande à nos ressortissants canadiens volontaires qui viennent de l'extérieur, ceux qui sont des médecins ou qui travaillent en milieu de soins ou du côté de la famille, vont être en quarantaine, justement pour éviter cette introduction-là. Donc, de façon initiale, je vais vous dire, c'est pour ça qu'on le fait. On le fait aussi de façon assez associée à la semaine de relâche, parce qu'on sait qu'il y a eu un mouvement comme tel. C'est très difficile d'empêcher le virus de pénétrer, là, les frontières, puis il y a l'autre élément pervers, de fermer tout, par exemple, là, c'est que les gens ne se déclarent pas, n'aillent pas consulter. Mais parce qu'ils peuvent rentrer indirectement ou autre. Mais ça, c'est une question, je pense, à mon avis, qui va être débattue par notre premier ministre avec les autres ministres, le premier ministre du Canada et le premier ministre. Puis je pense que quelque part, nous, on pense que ça peut être une mesure qui peut être prise, mais il y a des conséquences à ça. Comme tel, puis je pense que le premier ministre va aller discuter de ça comme tel avec
Puis c'est une décision que c'est les élus qui prennent cette décision-là, là, parce qu'on a certains bénéfices théoriques en santé publique, mais quand est-ce qu'on le fait puis on l'applique, c'est à voir. Mais actuellement, l'intention du premier ministre, c'est vraiment d'essayer d'éviter que ça rentre chez nous pour qu'on fasse encore ce que je vais revenir tout le temps. Je vais avoir deux lubies dans cette période, c'est aplanir la courbe puis lavez-vous les mains. Vous allez m'entendre ça, vous allez en avoir le goût de régurgiter, mais c'est important. C'est des choses qui sont assez importantes, à mon avis. Pas aller voir des personnes âgées. Ça, là, ça a l'air de rien. Puis il faut aussi le dire, si on a des symptômes, ça ne sert à rien de le cacher. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il y a des gens qui commencent à... ils ne veulent pas être pris dans des contraintes. Je pense qu'on doit, à mon avis, si on a des symptômes, il faut le dire au médecin, parce que sinon, on n'est pas pris en charge adéquatement, puis on risque de contaminer le milieu. Donc, soyez honnête. Dites-le, c'est pour votre santé puis la santé des autres. Donc, hier, le gouvernement annonçait l'interdiction des rassemblements de 250 personnes et plus. Beaucoup de gens se sont étonnés parce que dans les transports publics, par exemple, à Montréal, dans le métro, il y a plus de 250 personnes dans une même rame, à un même moment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, donc, de contraintes en ce qui concerne les transports publics? Bien, juste vous dire, d'abord, ce qu'on parle, c'est 250 personnes qui sont dans une pièce, là. Donc, qui sont à proximité puis qui peuvent être contaminées par 249 autres personnes, là. Donc, je ne pense pas là, qu'on puisse, dans les transports publics, parler de 250 personnes qui sont à proximité. Puis, il y a une question aussi de services essentiels. C'est sûr que ce qu'on va essayer de faire, idéalement, c'est d'étaler les périodes de pointe, là, que tout le monde ne soit pas là au même moment, là, en début de journée puis en fin de journée. Mais on ne considère pas là, qu'il y a 250 personnes dans une pièce. Charles Cavalier, Journal de Québec. J'ai plein de questions, j'essaie de me contrôler. Pour les Québécois en ce moment qui ont soit des billets d'avion pour aller à l'étranger ou qui sont présentement à l'étranger, puis là, qui se disent, est-ce que je dois m'acheter des billets pour revenir au plus vite ou j'attends, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ces deux situations-là? C'est une décision très personnelle. Ça dépend où les gens sont. Ça dépend si c'est de la circulation active ou pas. Ça dépend s'ils doivent revenir par les États-Unis ou pas. Il y a plein de facteurs, là, je ne peux pas commenter pour chacune des situations. Mais moi, je pense que c'est clair qu'actuellement, si vous me permettez, si on n'a pas des voyages essentiels à l'extérieur, si ce sont des voyages pour le plaisir, ou c'est important d'en avoir aussi, là. Mais on ne sait pas comment ça, les autres aussi pays vont réagir. Si on tombe malade là-bas, on ne pourra pas revenir au Québec. On va être pris en charge là-bas. On pourrait être placé en quarantaine à l'extérieur. Donc, c'est sûr que, je vais vous le dire bien honnêtement, je n'aurais pas dit ça au mois de janvier, mais maintenant, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, il n'y a pas tellement de zones... Il y en a des zones sécuritaires, mais je ne peux pas le garantir. Vous comprenez-vous ce que je veux dire, là? Et là, même des certaines zones des États-Unis, comme telles, si vous y allez pour des vacances, etc., peut-être faut penser à les reporter. Ça va dépendre de comment vous êtes capable de vivre avec le fait que vous pourriez être retenu là-bas et pas être capable de revenir. Fait que ça, c'est vraiment une décision qui est très personnelle, comme telle. Puis pour ce qui est des questions, moi, je ne peux pas vous parler des questions d'assurance, d'annulation, etc., là. Mais c'est sûr aussi, quelque part, il faut comprendre que les gens qui sont à l'extérieur, quand ils vont venir ici, on va vraiment suggérer un isolement volontaire pour 14 jours. Puis si c'est des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation ou le milieu de la famille, eux autres ici, ça va être, eux autres, ça va être obligatoire, comme on le dit. Fait que ça devient une conséquence quand même assez importante qui, je pense, est un... Voyager actuellement là, à l'extérieur pour juste du loisir, mais il faut juste être conscient que ça pourrait... Ce loisir-là pourrait se transformer en quelque chose de moins agréable. Il faut savoir si on est prêt à vivre avec ça. Dans le fond, ce que je dirais, c'est si un Québécois, une Québécoise dans un autre pays qui est plus à risque que le Québec, où il y a plus de contagions qu'au Québec, bien, il y a un risque additionnel que cette personne-là prend. Donc, plutôt à avoir venu ici, moins à prendre de risques. Pour les garderies, c'est quand même des lieux qui sont moins gros, je pense aux milieux familiaux, entre autres. Donc, quelle est l'opportunité vraiment de fermer ça tout de suite alors qu'il n'y a pas tant de personnes? Puis en sous-question, vous parlez beaucoup des employés du secteur privé, du secteur public, mais pour tous les entrepreneurs qui viennent de se lancer en affaires, qui ont des petites entreprises, puis qui eux-mêmes vont peut-être pouvoir plus travailler, est-ce que vous allez avoir une aide financière pour ces gens-là? Bon, deux choses. D'abord, si on commence par les services de garderie, de la même façon,
qu'il y a eu une semaine de relâche pour les écoles, les cégeps, les universités, il y a eu des gens qui sont allés à l'extérieur dans un certain pourcentage assez élevé. Et, bon, ces personnes-là sont revenues la plupart la fin de semaine dernière. Donc, techniquement, on a pu contaminer des personnes dans ces établissements-là cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute un 14 jours, deux semaines. Comme le disait le docteur Arruda, il n'y a pas de risque grave pour les enfants, mais les enfants peuvent être ensuite en présence de leurs grands-parents, puis là, ça peut amener des problèmes additionnels pour les grands-parents. Pour ce qui est des employés, on devrait, au cours des prochains jours, là, Jean Boulay, le ministre du Travail, travaille sur des programmes où les personnes qui ne sont pas dans le secteur public, parce que je le répète, là, entre autres, ce qu'on annonce aujourd'hui dans les écoles, les garderies, tout le monde va continuer d'être payé, mais dans le secteur privé, on va mettre en place un programme qui va permettre une compensation financière parce qu'on ne veut pas que des personnes se forcent à aller au travail, même s'ils ont des symptômes, pour prendre le risque de contaminer d'autres personnes. Donc, Jean Boulay va annoncer là, dans les prochains jours des mesures. Puis je veux tout de suite dire aux entreprises puis aux employés qui sont dans des entreprises privées, là, qu'est-ce que pas, on va arriver avec une mesure très rapidement. Ça touche aussi les travailleurs autonomes puis les la même chose. C'est que, dans le fond, on va arriver avec des mesures pour les individus, mais aussi des mesures pour les entreprises, donc incluant les travailleurs autonomes. Mylène Crête, Le Devoir. Oui, je voulais savoir, est-ce que cette mesure-là de fermer les écoles, les établissements postsecondaires et les services de garde, est-ce que ça ne vient pas une semaine trop tard? On peut toujours dire, je peux vous dire, quand on regarde des mesures qui sont prises dans une certaine situation, on peut toujours dire qu'elles viennent une semaine trop tard, mais il faut aussi voir, on n'était pas à ce stade-ci quand notre semaine de relâche a eu lieu. Voyez-vous, l'Ontario, lui, a ses semaines de relâche en même temps que la situation a comme basculé. Ça bascule en une journée, là, souvent, là, les éléments, quand on a des cas qui viennent de d'autres pays, etc., parce que nous, on suivait ça, là. Pour moi, c'est très important. Notre épidémio au Québec est différente de celle de la Colombie-Britannique. Donc, je vous dirais qu'on l'anticipait. Moi, je ne pense pas qu'il est trop tard. D'ailleurs, certains pourraient dire on n'a pas de transmission locale, on ne devrait pas les fermer. Certains vont vous dire ça. Mais ce qu'on fait ici, c'est justement régler l'impact des semaines de relâche. Puis on va réévaluer la situation au jour le jour. Fait qu'on se donne, puis on vient un petit peu corriger la situation de la semaine d'antérieur. C'est possible qu'il y a eu un phénomène. On n'a pas encore vu les signaux, mais on a vu par contre des gens qui sont allés à l'extérieur dans la semaine de relâche et qui ont développé des symptômes, mais ils ont été pris en charge. Ça, c'est important parce qu'il aurait pu arriver au Québec, faire leur travail, continuer. Donc, on avait déjà prévu le coup, mais là, on est rendu à une autre étape. Puis vous allez toujours avoir l'impression, des fois, là, ou bien on est trop fort d'un coup, ou bien on est un petit peu en retard. C'est une décision qui est très délicate, mais je peux vous dire qu'actuellement, la stratégie, à mon avis, qui est associée avec les voyages associés aux semaines de relâche, je pense que c'est une bonne chose, mais ça va être à réévaluer. Peut-être que dans deux semaines, on va se rendre compte qu'il n'a pas eu. OK? Il n'y a pas de circulation intense. Les écoles pourraient réouvrir avec des modalités différentes, télétravail, télécours, etc., là, tant aussi longtemps, puis refermer de nouveau quand la situation va se mettre à être intense au Québec, ou carrément revoir dans deux semaines, puis dire qu'il faut prolonger encore de deux semaines. Donc, c'est assez difficile pour moi de vous donner une réponse. J'aimerais ça vous le dire, puis vous donner une date. J'aimerais ça vous dire qu'à la Saint-Jean, il n'y aura plus rien au Québec comme coronavirus, mais on n'est pas en mesure de dire ça. Est-ce que, M. Legault, il est envisagé, à l'instar d'Ottawa, de suspendre les travaux de l'Assemblée nationale? Je sais qu'il y a une situation particulière à Ottawa, mais je pense qu'il y a des gens qui se posent la question. Bien, effectivement, là, on a comme fixé un barème qui est 250 personnes dans la même pièce. Là, donc, si on utilise ce barème-là, effectivement, il y a plus que 250 personnes à la Chambre des communes. Il y en a 125 à l'Assemblée nationale. Il y a la balance des inconvénients. On veut évidemment continuer d'être capable de représenter les citoyens, de débattre avec l'opposition, d'écouter les suggestions de l'opposition. C'est pas noir ou blanc.
On n'exclut pas, effectivement, éventuellement, si c'est nécessaire, de fermer l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui mandaterait que ce soit nécessaire? Bien, c'est toujours une question d'évaluation des risques. On discute continuellement avec le Dr Arruda de la balance des inconvénients, si je peux dire. On parlait tantôt des écoles. Bien, les écoles, là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 1 million d'enfants, donc des parents travailleurs, qui vont être dans une situation difficile. Donc, c'est une évaluation qui se fait de jour en jour. Évidemment, là, on continue de suivre l'évolution du nombre de personnes infectées. Monsieur le Premier ministre, je voudrais me permettre quelque chose. Ce qui est intéressant souvent, c'est que quand on met des mesures très contraignantes, si on n'ajoute pas des éléments pour appuyer les individus, les gens ne le font pas. Alors, tu sais, comme on aura beau dire, là, puis je suis pas dans le secret de ce que le premier ministre et ses ministres vont faire par rapport à aider les gens, là, mais si on aide les gens à s'isoler comme tel et qu'on les met pas dans une situation où, en s'isolant, ils n'ont plus de revenus, ils ont des problèmes majeurs, etc., bien, la mesure ne fonctionnera pas. Et souvent, c'est appliqué ailleurs sans aide, à moins dans certains pays où on a une approche plus dictatoriale, je pourrais dire quasiment avec la police puis l'armée, etc., ce qui n'est pas la culture québécoise. Mais moi, je pense que je vous dis ça, c'est important, parce qu'on le dit tout le temps, quand on recommande quelque chose, on a beau le recommander, mais est-ce que les gens le font vraiment? Puis on appelle ça des facteurs facilitants ou des facteurs contraignants. Et ça, je pense que c'est un geste que je veux souligner, parce que très souvent, dans nos mesures, c'est là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de support qui est donné aux gens pour l'appliquer. Puis il faut tenir compte que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens nécessairement de perdre 2 semaines de revenus comme tel. Puis on va inviter aussi, je dirais, là, si vous voulez, le secteur privé et autres à considérer ça, parce que les gens ne font pas ça pour se reposer à la maison puis pas travailler. Ils font ça parce qu'on leur demande. Puis il y a le télétravail aussi, qui ça va donner un coup. Probablement, on va avoir plus de télétravail au cours des prochaines générations ou années, compte tenu qu'on va avoir expérimenté cette situation-là dans une situation qui est nécessaire. Olivier Bossé, oui, allez-y. Excusez-moi, si je peux me permettre, vu qu'on parle de télétravail, qu'on est en train de commencer un déploiement de services de téléconsultation à partir de la semaine prochaine par les médecins aux patients. Donc, ça va se déployer graduellement. On vous donnera plus d'informations dans les prochains jours. Mais à partir de la semaine prochaine, il y a des médecins au Québec, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques médicales, qui vont pouvoir donner des services par téléconsultation. Je veux vous dire également qu'en lien avec le dépistage, on déploie au Québec une douzaine de cliniques de plus de dépistage dans différentes régions. Vous avez entendu parler de Sainte-Justine. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 sites. En Mauricie-Centre-du-Québec, 2 sites. En Estrie, 2 sites. En Outaouais aussi. À Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie-Centre et Montérégie-Ouest. Alors, une douzaine de cliniques de dépistage qui se déploient dans les prochains jours au Québec. Alors, Olivier Bossé, Le Soleil. Monsieur Legault, vous le disiez, ça va être difficile pour les parents. Évidemment, les grands-parents ne pourront pas venir garder. Qui va garder tous ces enfants-là? C'est une question un peu simple, là, mais oui. La réponse n'est pas simple. Oui, mais c'est ça. La réponse n'est pas simple. Et puis, c'est une des raisons pourquoi on a attendu que ça soit absolument nécessaire. Écoutez, je demande à tous les gens d'être solidaires. Effectivement, il faut être capable de s'aider. Bon, la plupart des parents ont 2 parents. On veut s'assurer, entre autres, qu'il y ait des services de garde qui soient offerts pour le personnel du réseau de la santé. On va établir aussi une liste de services qui sont essentiels pour la population. Donc, la réponse n'est pas facile. Puis, je comprends très bien les parents aujourd'hui qui se disent « Wow, j'ai tout un casse-tête devant moi, là. » Mais c'est la moins pire solution là, qu'on propose aujourd'hui. Peut-être plus M. Lacombe ou peut-être vous, là, sur les services de garde d'urgence qui vont être pour les gens de la santé. C'est quoi le détail qu'on a aujourd'hui? Comme le premier ministre l'a dit, il faudra évidemment considérer prioritairement les gens du réseau de la santé. La liste, bon, elle sera communiquée au moment où elle sera complète. Par contre, il faut être clair, évidemment qu'il y aura du service disponible pour les gens qui travaillent dans le réseau de la santé. On a besoin de ces gens-là, on vient clairement de le dire, et on en aura besoin de façon importante. Donc, évidemment, il faut leur offrir le service, puis on va le faire, on sera prêt. Dès lundi. Oui? Oui.
complément, on parle des services de garde, services de garde éducatifs à l'enfance, mais il y a aussi dans nos écoles primaires des services de garde. Donc, là, nos écoles sont fermées, les services de garde sont fermés, mais on va faire exactement la même chose en parfaite cohérence avec le réseau de la famille comme avec le réseau de l'éducation. Donc, il y aura des écoles, ce sera annoncé, là, ça va être mis en place d'ici lundi, il y aura des écoles pour lesquelles les services de garde sont ouverts à proximité des établissements de santé pour les travailleurs parents du réseau de la santé. Mais on n'ouvre pas le réseau des services de garde dans nos écoles primaires, elles sont fermées, certains services de garde seront ouverts spécifiquement pour les travailleurs du réseau de la santé, pour en faire cette démarche-là en parallèle et de la même façon dans le réseau de la famille puis dans le réseau de l'éducation. On va avoir des critères, l'âge de l'enfant ou l'emploi du parent, des choses comme ça, par exemple. Surtout l'emploi du parent. Ouais. Oui, oui. Merci Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous tous. Juste une précision, on va te poser ma question, Mme McCann. Combien de cliniques au total vous avez actuellement au niveau du dépistage? J'avais dit 12 de plus. On en a... Donc, on en a trois actuellement. On a une à l'Hôtel Dieu. On en a une qui est en Montérégie. On en aurait 15. Voilà, on a trois. Donc, ça va faire 15 à terme, là, quand on va avoir déployé toutes les autres. Monsieur le Premier ministre, l'homme étant ce qu'il est, on l'a vu dans les épiceries au cours des dernières heures, mais je ne veux pas vous amener dans le domaine alimentaire. Au niveau des garderies privées non subventionnées, au niveau des gens qui sont les travailleurs autonomes, vous dites que vous allez arriver avec un programme rapidement. Quelle est la garantie qu'il n'y a pas des garderies qui vont rester ouvertes parce que ces gens-là n'ont pas le moyen de ne pas avoir de salaire et d'attendre le programme du gouvernement qui pourrait prendre du temps avant qu'il soit payé? Bien, d'abord, le programme va être annoncé rapidement puis va être applicable immédiatement. Donc, Jean Boulay me dit qu'il est déjà prêt, là, donc on ne veut pas bousculer les choses, là, mais dès le début de la semaine, il va être disponible puis les fonds vont être disponibles. Donc, ça va se faire rapidement. Que les gens vont perdre du revenu en complémentaire ou ça va être vraiment... Écoutez, là, je ne veux pas annoncer aujourd'hui le programme, là, je vais l'annoncer, mais ils ne seront pas dans une situation là, qui mettrait leur famille à risque financièrement. Merci. Rémi Nadeau, Journal de Québec, Journal de Montréal. Rapide, là, un questionnement beaucoup chez les gens. Vous avez demandé, Dr Arruda, aux gens de se mettre en quarantaine volontaire lorsqu'ils reviennent de voyage. Mais si quelqu'un arrive du Mexique, qui se place en quarantaine et qui vit avec trois autres personnes. Qu'est-ce qui arrive? Les trois autres personnes vont continuer à circuler, sauf celle qui est en quarantaine. Non? Bien, oui, si vous me permettez, on va utiliser le terme isolement volontaire parce que la quarantaine, c'est un pouvoir du fédéral en lien avec l'entrée. Mais ce que ça veut dire, c'est que la personne qui va revenir... C'est à peu près la même affaire. La personne... Hein? C'est à peu près la même affaire. Oui, mais c'est parce que c'est juste que des fois, là, en termes légaux, je ne voudrais pas me faire rapprocher par les fédéraux que j'ai utilisé le mot quarantaine, puis alors que c'est leur pouvoir. Bon. Puis c'est un isolement volontaire sur la base ou obligatoire sur la base de la loi de santé publique qui donne au directeur national, à la ministre de la Santé, certains éléments. Si vous me permettez, donc, dans le fond, mais la personne qui va, elle, revenir du Mexique, qui va être en isolement volontaire chez elle, tant qu'elle n'a pas de symptômes, elle n'est pas très contagieuse, OK? C'est possible qu'il y ait une contagion. On va demander à ce qu'elle garde une certaine distance à la maison avec les personnes, mais donc, elle n'est pas, vraiment contagieuse. Donc, les autres peuvent sortir, à moins qu'ils aient été en même temps en voyage, etc. C'est sûr que s'ils sont partis toute la famille, là ils sont tous dans le même bateau, si on peut dire. Fait que c'est ce genre d'éléments-là là, qu'on va prendre en considération. Dès qu'ils développent des symptômes, à ce moment-là, ils sont pris en charge, puis c'est les autres qui vont se retrouver, les autres dans la famille, qui vont se retrouver à ce moment-là comme en isolement, parce qu'ils ne seraient pas contagieux si pendant qu'ils vont aller chercher la nourriture, mettons, ou à l'épicerie pour la personne qui est en isolement volontaire. Merci. Rémi Nadeau, Journal du Québec, Journal de Montréal. Oui, des éléments très terre-à-terre, là. Monsieur Lacombe, pour les services de garde qui vont être disponibles pour les employés du réseau de la santé, je voulais savoir d'abord si ça inclut aussi les travailleurs des CHSLD qui pourront profiter de ces services-là. Puis, mais là, en même temps, je me demande, c'est pas nécessairement un service de garde qui est proche d'un établissement de santé. Les employés n'envoient pas nécessairement... Ils restent pas nécessairement proches de l'hôpital. Donc, comment vous allez déterminer les services de garde qui vont être ouverts? Là? J'ai vraiment un questionnement là-dessus.
Bien, certainement que c'est une situation exceptionnelle qui demande des moyens exceptionnels. Donc, il faudra effectivement parfois sortir de la routine, c'est clair. Mais l'important, le message qu'on veut envoyer aux gens du réseau de la santé, c'est malgré la fermeture, il y aura des places pour vos enfants pour que vous puissiez vous occuper des gens qui sont malades dans nos hôpitaux. C'est la première chose. Et ensuite, pour le spectre, là, à qui ça va s'adresser exactement, bien évidemment, ce ne sera pas à moi comme ministre de la Famille de définir quels sont les besoins. On le fera en collaboration avec le réseau de sa santé, de la santé, mais je veux être clair et précis. On va s'assurer que tous les gens dont on a besoin puissent être au travail pour s'occuper des gens qui sont malades dans nos hôpitaux, notamment. Puis pour ce qui est des écoles, parce qu'on parle beaucoup de télétravail pour les gens qui ne peuvent pas aller sur les lieux du travail, mais il me semble que pour les enfants, c'est la même chose. Même s'ils sont à la maison, ils peuvent continuer de faire d'apprentissage. Est-ce que vous demandez aux enseignants d'envoyer, par exemple, aux parents des éléments qui peuvent être faits quand les enfants sont à la maison dans les deux prochaines semaines, ou c'est vacances, là? Ça va être vacances. On ne demande pas aux enseignants de rentrer travailler alors que les écoles sont fermées. On ne demande pas aux enseignants de la maison de préparer des choses, de transmettre ça aux élèves. On n'est pas équipé, on n'a pas ces mécanismes-là pour donner du travail ou des études. Il y a peut-être des parents qui vont faire la petite école à la maison, là, mais c'est pas, il n'y a pas de contraintes et il n'y a pas d'exigences à ce niveau-là. Ça va, donc on va passer aux questions en anglais. Je vous remercie de votre patience. À commencer par Raquel Fletcher, Global. La ministre, la ligne 8 en 1, elle n'existe plus à partir d'aujourd'hui ou quoi? On appelle au 877-644-4545 et on règle le problème aujourd'hui. Mais en clair, si les gens appellent à la ligne 811, est-ce qu'il y a une réponse? Ce qu'on dit, on veut que les gens appellent au numéro 877. Ça va être beaucoup plus facile pour eux, surtout qu'on règle le problème, parce qu'on a là des gens en nombre suffisant pour répondre à toutes les demandes. Il y a vraiment une variété de demandes actuellement. Et là, on peut faire un triage, mieux répondre aux citoyens. C'est ce qu'on dit. Merci. Alors, en anglais, Raquel Fletcher, Global. Good afternoon. Do we have enough testing kits in Quebec? I know that there is a concern in other places. How many do we have, and are you confident that that's enough? We do have what we need, and we have the capacity with our laboratory of public health to analyze those tests. So we have what we need, and what we're working on right now is to have other hospitals like the CHU, the different CHU, and also other hospitals start doing those testing also. We're in a preparation phase. It's going to be deployed in the future, the near future, and we're going to increase the capacity. So we have what we need. Premier, you talked about international visitors. Can you explain for our English viewers what you are asking from Mr. Trudeau? Yeah. We're asking the federal government to limit visitors coming from outside of Canada. I think that we're now asking our own people to be isolated for 14 days. So I think we need to restrict and limit people coming from outside of Canada. So I'll have discussion this afternoon with Mr. Trudeau. Of course, I want to have his input, the input of the other premiers of the other provinces. But I think right now it's quite urgent that we stop the number of visitors in Canada. And I just have one last question for Mr. Arruda. If in 2 weeks everything goes as planned and we reopen schools on March 30th, I think was the date, will we be out of the woods? Underwoods? Out of the woods. So will we be on a fire? So, look. No, I don't think so. I think we will not say we're going, oh, it's finished, because then things can reopen. As the Prime Minister said yesterday, probably the situation will have to be managed for not only weeks but months.
And we will probably, perhaps, and when I'm talking about tomorrow, I even sometimes cannot know. But what some hypothesis more is that it's going to be calming a little bit because of the summertime coming and probably coming back a little bit at fall. But we don't know. It's a new virus, and or it can even disappear or being adapted to the human and stay like others, coronavirus, and we will say that's a normal one, actually. Stéphane Giroux, CTV. Yes, I have a question for Mrs. McCann. We spoke to an infectious disease specialist who says that people under 18 who should be tested for the COVID are not allowed to go to the Hôtel Dieu. So instead, they're going to either the Children's or Saint-Justine. Is that the right place for them to go? I think so. Saint-Justine has opened a clinic especially for the coronavirus, so I would encourage people for children to go to Saint-Justine. And if it's not possible, there's always the Children's. But of course, we would prefer Saint-Justine because they do have a clinic especially designed for the testing. At the Saint-Justine, is there any chance of contact with children who might be in emergency for other reasons? No, because Saint-Justine has created that clinic especially to avoid the contacts with the other children in the emergency room. So the physical environment is separating completely from the emergency. Okay, and Mr. Premier, about something you said in French, I'd like you to repeat in English. Parents now have to find a way to deal with their children starting Monday morning. Daycare, the most problematic, elementary, high school. What do you tell these parents? Yeah, I understand that it will be a major problem for many parents starting Monday morning. To find a place for their children. I understand very well the problem. What I'm asking is kind of solidarity coming from the family, neighbors. We need to take the decision that is the less worst for the population, and we think that this is the decision to take. CBC News. Apparently, Mr. Arruda, the Ontario, Alberta are making more tests in these provinces. You see more tests. You said yesterday that we will increase the number of tests. Can you tell us exactly what the plan is for the days to come? It's to use this test as needed, and actually there is no active transmission here. We are preparing to test for the active transmission. We have actually the capacity to test. We have not a problem of testing, actually, because we are testing people who need it, which are the ones coming back from travel and everything. And we will do tests in families if there is people sick. So, and we are from amount of, I would say, around 40 tests. We are now having more and more every day. 400 or 40 per day? 400 per day? We were before at 5-6 at the beginning, and now we can test, I'll say, almost 300 tests per day if needed. But we have not attained that because we are still in a situation with lower cases than other provinces. So we will be able to do exactly what the others are doing because they are a little bit further than we are. Okay. Especially Ontario and BC, Alberta too, a little bit more. They have now, I think, around 40 cases, so we are on capacity to do the tests as needed. Okay. So we are still at the emergency mode today, even though we are closing schools, SGEPs, universities. We're not at the state of the health emergency, that I understand. We haven't raised the level. But is there a point that you're going to force people to basically having
to force people to be in quarantine, like, or get isolate themselves, to force them to do so. Because yesterday you were asking people to do it, but is there a point that you're going to force them to do it? We are forcing travelers coming back from the three sectors, health, education, and family, to do that. It's mandatory. It's mandatory because I have on the law and the minister, I'm the instrument of the minister, the power of ordering it. And we could also, even if we're not in an emergency, there is not a crisis, use powers of, we call it, urgence sanitaire. That makes the government able to take some decisions and processes faster than they are used to do in a normal way. Meaning, like, exactly, if we need something for different contracts that we're supposed to go on, I would say, appeal of offers, we can go directly because there is an emergency. That's powers that are there in the law to help the governments to take action and not be stopped by bureaucracy. Last question, Phil Autier, The Gazette. Good day. Mr. Legault, I just wanted to ask you about the social climate at this point in Quebec. We're seeing signs of panic, people lining up their cars to buy things at Costco. Yeah. Are you worried about the atmosphere, and is there anything you could do about that? I want to first reassure all Quebecers about food and about I've seen, like you, pictures and of people being in line to get some food or toilet paper. Right now, we don't expect any shortage. So I think that this is not necessary. And I think we have to focus really on the coronavirus. But people must not worry about the provision for food. But people are panicking, as we see on the phone line. Yeah, well, that's why I'm telling them, don't worry about food. You may worry about getting the coronavirus, but don't worry about getting food next week or the week after. Right now, all trucks are delivering goods, and we don't expect any shortage. And one final one for Mr. Arruda. We talked yesterday at length about the peak, and I was looking at some numbers for the Spanish flu, which I was not around for, by the way. But sure, 1918, that's a long time. You survived it. That's great. When do you expect Quebec's numbers to peak? I hope as late as possible, you know, because, and I would like to have, I think somebody said that, and it's not from me. I would like to have not a mountain, but a small colony. You know, I know in English, it's called hill. Small hill. Small hill, exactly, I'm sorry. So, and it's what we are working for. And that will depend on the decisions we are taking, how they are applied, because even if we say we go in there, if the people don't do it, that's not the case. So it's why I would say, let's be together to have hills and no mountains. Ça va? Merci tout le Thanks monde. Thanks, everyone. Merci tout le monde.